greeted by a cute little smile. The world is new with you by my side. Everything is beautiful Tuesday afternoon. I'm calling you home just to hear your voice on the phone. I think of you and I'm not alone. You are everything. Après. Salut les copains, et ben nous voilà arrivés à Salt Lake City et plus précisément sur l'île d'Antelope, Antelope Island, qui est un parc d'État, une zone protégée où on peut voir des bisons. On a déjà aperçu juste en arrivant là. Et en fait on est sur une sorte de presqu'île puisqu'en fait nous sommes arrivés par cette route qui passe au milieu du lac Salé. Voilà, on vient de la ville là-bas. C'était magnifique, le paysage est grandiose. Ça nous rappelle aussi des souvenirs un petit peu. On était passé très brièvement ici et on voulait voir ça sur, puisque c'était sur notre route pour remonter sur Yellowstone. Donc nous voici arrivés, on va profiter du Visitor Center qui est encore ouvert pour aller y faire un petit tour. Bonjour. Bonjour. Salut les copains. Bonjour. Tu dis coucou? Dis coucou. Oui. Ouais. On a mouru. Elle est jolie sa fenêtre là. Ouais. La plus grande île du Grand Lac Salé. Ça va à tout ça, c'est le Lac Salé? Tout à fait. C'est la plus grande île du Grand Lac Salé. Et elle abrite des troupeaux de bisons, de cerfs mulets et d'antilopes d'Amérique en liberté. En fait, ils ont réintroduit 12 bisons en 1893 et ça constituait donc la base du troupeau actuel qui est quand même de plusieurs centaines. Ils sont un peu consanguins, quoi. Du coup. Ça fait 15 miles de long sur 5 miles de large. Bon, les garçons ont décidé de commencer une collection maintenant. Celle des pénis pressés. Ouais. Du coup, on choisit l'animal, c'est ça? Ouais. T'as choisi quoi, moi, toi? J'ai un bison là, on choisit. Vas-y, montre-moi et je vais essayer de faire la mise au point dessus. Voilà, et en fait, ça coûte 51 centimes, du coup. 50 centimes pour faire la pièce. Et en fait, le pénis que tu as mis, il se fait presser en direct, c'est toi qui le presses. Et il y a des formes. Avec cette machine. Si, si, on l'a vu. Donc c'est là, super. Tu choisis ce que tu prends, et, après, tu... et là, en l'occurrence, c'est les animaux représentatifs de ce state park. C'est là, toi, tu l'écrases. Et tu l'écrases, ouais. La fourrure? Non, je l'imaginais plus rêche en fait. Je m'attendais à ça. Bah, touchez-le bien là parce qu'on n'ira pas en carencé de près. Hein. C'est dangereux, c'est bien marqué partout. Ça court à 40 miles par heure. Soit près de 70 km/h. Presque 70 km/h. On a quand même un petit air marin là. Hein. On a l'impression d'être à la mer. Sauf qu'en fait, on est en plein milieu des montagnes. Et on est sur un lac. Et on est sur un lac. Donc cette partie du lac, du grand désert de serre, enfin du grand lac salé de Salt Lake City, on vient de passer Bonneville avec le circuit de vitesse, etc. Il n'y a pas d'événement en ce moment, non. Donc on ne peut pas voir de record de vitesse ou de course de dragster. Ouais. C'est pas la bonne période pour ça. Parce que ça doit être quelque chose d'intéressant à découvrir aussi. Ah, carrément.
Et rouler sur le désert de sel, ça aurait pu être sympa aussi. Avec mais, Big Jim. Avec Big Jim, pourquoi pas. Si tu le nettoies après. Oui, après, il faut bien nettoyer. Ça le fait. Et donc, nous sommes toujours sur ce Great Salt Lake, donc le super lac salé. Sauf que cette partie-ci n'est pas asséchée encore. Voilà, il lui faudra encore peut-être plus de temps. Et donc, on peut y trouver des espèces animales peu communes. Bah, en fait, dans l'eau, il y a quand même pas grand-chose. Avec les niveaux de salinité, au final... Qui fait partie des lacs les plus salés du monde. Hein. Tout à fait. Avec les niveaux de salinité, au final, c'est vraiment des petits organismes, des micro-organismes, des espèces de crevettes, toutes ces choses-là qui se développent énormément et qui sont du coup très importantes. Et ça permet aux oiseaux migrateurs de venir s'alimenter dans le lac, donc finalement une très bonne position. En fait, tout a toujours son importance. Tout. Bon, on a demandé aux rangers ce qu'on pouvait visiter comme plage pour éventuellement aller faire une petite trempette dans un lac d'eau très salée, ce qui est quand même une baignade un peu particulière. Et puis on va aller voir ça tout de suite. Allez, on y va. Allez. Elle nous a conseillé la Bridger Bay, qui est juste derrière là-bas. Passport. Eh, parce qu'il fallait bien les mettre quelque part, ces Penny de la nouvelle collection. Avec une, on se dit c'est que si on présentait ça à un national park, on pourrait peut-être rentrer gratos si on a le national park. Mais tu rentres déjà gratos avec ton force grade. Je suis le gars le plus important de la famille. Ben oui, il faut que tu sois avec nous tout le temps, toi. Si c'est pas beau là, avec les montagnes enneigées derrière. Bon, allez, on se prépare, on met les maillots de bain. Bon, on se croirait un peu en Bretagne, hein. Il va falloir marcher pour aller se baigner, là. Il va falloir se balader avant la trempette. T'es prêt, toi? Ouh. Et c'est parti! Randonnée en crocs et maillots de bain. Bon, randonnée, c'est un grand mot. Mais quand même, il y a un petit boule, hein. Bah, dis ça aux Bretons. Bah, moi, j'ai quand l'habitude. C'est marée basse. Moi, j'avais une maison de famille dans le Finistère Nord. Quand on voulait aller se baigner, il fallait marcher comme ça, hein. Bon, les enfants, les grands, ont pris de l'avance pendant qu'on s'occupait de Manao, de son petit goûter et de son changement de tenue. Pour une petite tenue de baigneur, il est trop à croquer, vous allez voir ça. Alors, j'avais promis que je vous montrerai ce petit bébé à croquer. Coucou mon loulou, ça va petit baigneur? Il a fait ça, puis après il est reparti. Ça va? C'est un peu grand en vrai. Ouais. Je crois que c'est 18-24. Ouais, en fait, tu fais des ourlets au bras, mais c'est tout quoi. Bah ouais, le reste c'est bien. Ça va mon chéri? Tu joues dans le sable? Alors, c'est un sable bien salé. Hein. Coucou! Tu vas filmer l'entrée dans l'eau? Eh bah allez. En fait, ça ne devient jamais profond. Mais on va marcher combien de temps comme ça? Je ne sais pas. Et là, on n'en a même pas jusqu'au genou. Là. Même moi. Bah voilà, regardez. Je suis assis et je flotte. Ah ouais? Bah non. Mets-toi allongé. Pour voir si tu veux tout de suite voir. Bah non. Apparemment, on rentre plus facilement que dans le lac Tahoe, ouais. Je flotte un peu. Non, ça marche même pas. Oh, flotte, là, je touche plus. Ah, il faut qu'on ait un peu plus, faut un peu plus de fond. Ça marche un peu. Essaye de respirer. Tu respires dans la tête. Tu respires normal. Dans les yeux. Tu verras, ça les yeux, ça pique. C'est salé. On a pris une gourde exprès. Il y a un courant froid. T'essayes pas, toi? Et la pin-up? Si, mais c'est froid. Et la pin-up. Moi, j'ai des courants chauds, ça fait bizarre. Ça soleil. Maman, ça nage trop. Non, c'est ça va. Est-ce que c'est normal que personne d'autre ne se baigne ici? Attends, il y a du monde, hein, là, c'est le camping. Ouh, c'est froid. Moi, j'ai du mal à passer. Il y avait d'autres voitures sur le parking, mais il n'y a absolument personne qui se baigne. Regarde, même mon moteur, je flotte. Toi, c'est plus froid ici. Allez, vas-y, essaye. Moi? Ouais. Essaye de quoi?
Maman, maman, regarde. De pas toucher le sol. Eh ben, de flotter. Mathéo, il est allongé à la plage. Ah, c'est froid pour la tête. Bon bah voilà. Sauna, sauna. Mathéo, Mathéo. C'est prouvé scientifiquement. On flotte dans l'eau salée. Par contre, c'est pas très très stable. Démonstration. Sur un panel de 100 personnes. C'est QFD. Et les jambes comme ça. Ben, quand même et toi, on te fait flotter. Et plein mode. En termes d'enlot, il a pas froid. Il se plaint pas à lui. Mathéo, tu crois pas que tu pourris mon plan? Mais ok, je peux te filmer. Regarde, je te quitte plus. Ok, on a vu ton dos. Retourne là, mon amour. Maman. Mais quoi? Arrête. Vous voulez quand même prendre une photo? Maman, je peux prendre des photos comme ça? Ouais. Maman. Oui, mon cœur. Papa, il dit que je me dessine. C'est vrai. Vas-y, fais comme ça. Les muscles, mais dans le dos là. Comment on fait? Fais les muscles. En l'air, comme ça. Ah. Moi, je fais comme toi. Hein, tu... Mais carrément, loulou, t'es sûr de toi? Ouais. Moi, j'arrive même pas à rentrer dedans. Oui, c'est dur pour maman. Ok, c'est dur tu pour maman. Tu t'es mis sur ma cuisse? Regarde. Ah non, carrément assis. Mais tu vas être... Ah, c'est froid. C'est pas si froid en vrai, les copains. Non, c'est vrai, c'est pas si froid. Mais j'aime pas l'eau froide. C'est vraiment... Ça a vraiment rien à voir avec le lac Tahoe, pour le coup. Ouh, comment tu fais, toi? Ouh, trop de courage. Oui, il a un petit soupir, quand même. Hein. Oh, trop de courage. Mais pas trop, on n'est jamais trop courageux. Oh là là. Mais mon loulou. Bravo. Je pensais te laisser sur la plage. C'est bien plus rigolo dans l'eau. Je crois qu'il va falloir faire un petit soin du corps, t'auras le droit. Un massage ah avec ouais, de la crème, crème hydratante. Ouh là là, le sel sur ta petite peau. Et c'est peau. Trop cool ce grand bain, t'as le droit d'éclabousser partout. Parce que quand on prend le bain dans le l'évier de la cuisine, eh ben, on fait attention à ne pas éclabousser partout. Ouh, c'est froid. On va y aller après, si tu commences pas à avoir froid. Saona est déjà rentrée pour se doucher la première, prendre son temps. Les garçons continuent de jouer, faire des ricochets. Saona, elle a vu une belle opportunité, elle nous a dit on peut remplir en eau. Donc en fait, il faut se préparer psychologiquement à arriver... Et se dire qu'on n'aura plus d'eau pour nous. Donc on va partir avec le sable jusqu'à la dump. Enfin, avec le sel. Non, il y a les douches publiques, là, sinon, au niveau du bâtiment. Tu vas me faire prendre une douche froide. Ça va pas, quoi. Ça marche. Mais même pas en rêve. Wouh. Tu danses, mon loulou? Tu me montres comment tu danses? Allez, faut chanter. Il a un peu fait au début. Il a un peu froid, je crois. Bon, on commençait... Enfin, les garçons commençaient un petit peu à avoir froid, Mana aussi. Alors, on se rentre et on va voir si la douche est disponible. Il est tellement bien confortable, là, sans sa couche et sans sa combi. Dans sa serviette qu'il s'est endormi. Il s'est endormi, ce petit bout de chou. Ça fatigue, les jeux d'extérieur. Hein. C'est les comme quand on va à la piscine, ça fatigue. Ouais. Oh, y a des bêtes. Moi, elles se mettent sur mes oreilles, ça me rend folle. On a été mauvaise langue. En fait, ils nous ont laissé plein d'eau. N'est-ce pas, Choupette? Oui. Attention. Et Manao s'est endormi sur le chemin du retour. Apparemment, il est bien, parce qu'en fait, en dessous, forcément, dans la serviette, on lui a tout enlevé, la combi, la couche, on a enlevé tout ce qui était mouillé. Donc, il est tout nu, visiblement, il est trop, trop bien sur sa sœur. J'aime bien, il va pas finir, c'est un naturiste.
Bon, et bien, pendant que nous sommes à la Dump Station du State Park, qui est gratuite, hein, bon, on a déjà payé le droit d'entrée, en fait, au parc d'État. Il y a des moustiques partout. $15 l'entrée pour le véhicule, jusqu'à 8 personnes dans le véhicule. Donc, voilà, on paye une fois $15 et on a accès le temps qu'on veut, je crois, dans le parc. Par contre, pour dormir dans le parc, donc sur l'île, il faut accéder au camping, qui sont eux payants. Et donc, le camping, il est à $30, celui qui n'est pas très loin, là. Donc on est en train de réfléchir à savoir si on roule encore, alors que ça fait déjà deux soirs qu'on roule tard, très tard, même de nuit, et qu'on se pose très tard. Ou alors on se pose ici au camping. Oui. Oh là là mon petit cas, faut que je vienne te voir. Ou alors on se pose au camping, on prend une soirée tranquille, on se fait des crêpes. Et puis voilà. Donc on réfléchit là encore. Attention, il y a plein de moustiques. Hop là, il y en a qui a failli rentrer. Ah bah je sais. Tu peux entre-ouvrir si tu veux, comme ça. Voilà. Regarde, il y a le reflet du coucher de soleil dans la vitre entre vous deux là. T'as vu? Est-ce que t'as vu le coucher de soleil, mon loulou? Sur le lac là-bas? Waouh! Waouh! C'est trop beau. T'as pris un grand bain toi aussi après ta sieste? Eh bien, cette fois-ci, en fait, je lui ai mis la baignoire dans la cabine de douche. Il y a des moustiques qui essayent de rentrer. Non, bah je bats. Bon. On va pas prendre le risque de faire rentrer les gros moustiques. Moi j'arrête pas d'en tuer sur moi là depuis que j'ai commencé à faire la vidange là. Donc cette fois-ci, il a pris un bain dans la douche avec sa baignoire en plastique dépliable de voyage. Voilà, c'est une première. Il en a bien profité apparemment. Sympa. C'est quand même vraiment très joli ici. Je ne sais pas si nous l'avons précisé, mais nous sommes dans l'Utah. Voilà, l'état de l'Utah. Avant de remonter, du coup, on va continuer notre montée vers le nord avec une prochaine étape assez sympathique aussi. Voilà, j'ai fini de dumper là. Et les couleurs sont encore dingues. Ça donne quand même envie de rester là ce soir. Le camping est juste là-bas. Il y a des sites disponibles. Je l'avais demandé tout à l'heure au Visitor Center. Et puis ça nous permettrait de manger pas trop tard. De se coucher pas trop tard. Et puis demain, éventuellement, de revoir des bisons, peut-être d'un peu plus près, allez savoir, avant de repartir. Eh bien, magie du montage, paf, nous voici à Twin Falls dans l'Idaho. Nous avons encore changé d'état. Finalement, nous sommes partis hier soir, nous n'avons pas passé la nuit au camping. On a continué notre route un petit peu hier soir, on s'est arrêté sur une aire, on a bien dormi. Et on est reparti, et nous voici arrivés à Twin Falls. Et comme son nom l'indique, cette ville a des chutes d'eau. Voilà, qu'on va aller voir. Ça a l'air super sympa. Ça aussi, c'est super sympa. Au sprinter aménagé 4x4. Voilà, donc tout le monde descend et on va aller faire un petit tour comme d'habitude au Visitor Center. Bon, et ben on a trouvé notre petit magnète. On a pris quelques informations pour aller voir deux chutes d'eau différentes. On y va tout de suite. Déjà, il y a un petit point de vue juste à la sortie du Visitor Center. On va y aller. Rapide comme ça. Hein. C'est impressionnant quand même. Faut pas se louper sur l'ouverture là. Hein. Ça fait un gros splash sinon.
ressemble plus, ouais, t'as pas assez de hauteur en fait. T'as pas les courants. Tu fais que tomber, non? Bah là, tu fais que tomber. Je sais pas, j'y connais rien. Mais je me dis que ça ressemble plus à quand ils sautent des buildings ou ce genre de trucs. Ouais, ça fait pareil. Je trouve ça vachement impressionnant à regarder en tout cas. On a trouvé une place, on va aller voir ce gros robinet d'un peu plus près. À chaque fois qu'on est quelque part maintenant, bah, je me pose cette question. Est-ce que c'est un endroit où je pourrais me voir vivre? Parce que on sait très bien qu'il y a un moment aussi où les enfants vont nous demander pour se poser. Il y a toute une réflexion, en plus en ce moment, on en discutait avec d'autres voyageurs qui ont des grands ados. Et jusqu'à présent, en fait, le deal, c'était que Saona passe son bac, même si on se dit qu'on ne va pas revenir en France. Et là, en fait, dernièrement, ça a un peu évolué, où on se dit que peut-être, ça n'a ni queue ni tête de passer un bac en France, un bac français, alors qu'on envisage de faire des études ailleurs, enfin, pour nos enfants en tout cas. Donc on se disait peut-être faire un bac américain. Donc voilà, il y a aussi ça qui trotte un peu dans nos têtes, même si pour l'instant, on ne sait pas du tout est-ce qu'on se posera au Mexique ou en Amérique latine ailleurs, peu importe où, aux États-Unis. Bref, on n'en sait trop rien, mais voilà, on se pose beaucoup de questions. Et donc maintenant, j'ai un regard différent. On voyage et en même temps, à chaque fois qu'on est quelque part, je regarde ce lieu en me demandant si on pourrait s'y plaire. Et là, en fait, en ce moment, c'est une cata parce que partout, c'est magnifique. Là, en ce moment, à chaque fois qu'on se pose, on était autour du lac Tao, je me dis, oh, mais que c'est beau, en fait. Là, on est ici, ça a l'air d'être un secteur qui se développe beaucoup parce qu'on est passé, il y a des zones de construction pavillonnaire à gogo, en fait. Enfin, les zones commerciales, elles ont l'air vraiment très récentes. On voit vraiment que les magasins sont tout neufs et tout ça. Donc, on se dit que c'est quelque chose qui est en train de se développer. Alors, j'en sais rien. Là, quand je dis ça, c'est vraiment juste un premier regard. On n'a pas du tout regardé le prix de l'immobilier dans le secteur, etc., etc. Mais voilà. Ma petite réflexion qui, en fait, ne sert à rien. En réalité, parce que... Non, c'est pour dévoiler un petit peu que ton cerveau est toujours en ébullition, peu importe le sujet, peu importe le moment. Parce que vous arrivez à faire off sur votre cerveau. Il y a des moments où tu penses pas à un truc. C'est ça. Sérieux? C'est ce qui arrive aussi quand, des fois, le soir, tu te couches et puis que je me fâche à moitié. Mais toute seule, parce qu'il dort. Ouais, il se couche, il dort. C'est normal, non? Moi, je pense à plein de trucs. Bon, bref, c'est vrai que ça vous permet aussi de comprendre un petit peu les enjeux, tout ce qu'on peut avoir à l'esprit aussi pour les prochaines années. En fait, c'est pas tout de suite, hein. Ça en a que 16 ans, mais voilà. Et puis l'école, c'est pareil, on se pose pas mal de questions. On a eu l'occasion donc d'en discuter avec d'autres voyageurs. Et en fait, jusqu'à présent, vraiment, moi j'avais dit à Saona, le deal c'est tu t'occupes de ton bac, et puis après on verra où on se pose pour tes études supérieures. Sauf qu'en discutant avec ces autres voyageurs, en fait, eux ils se sont dit que ça n'avait plus d'intérêt de passer le bac en France. Et donc ils envisagent une scolarité américaine. Et là, ça m'a fait beaucoup cogiter. Beaucoup réfléchir. En plus, il y a vraiment des facilités pour le faire par correspondance, pour valider le diplôme et tout ça. Bref, à voir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous est personnel. C'est sûr que personne n'est à notre place. Personne ne peut prendre la décision pour nous.
Mais en tout cas, voilà, vous en savez un petit peu plus sur nos réflexions du moment. Dernièrement, on a aussi eu Kika et Anouar au téléphone. Là, leurs enfants sont maintenant dans des facs américaines. Donc voilà, on prend des infos pour la suite, un petit peu auprès de tous ceux qui connaissent. Parce que sinon, on a quand même tendance à avoir des idées reçues sur les coûts de scolarité, sur plein de choses qui sont pas toujours fondées. T'as mangé du lien ? Apparemment ? Ouais. Non. Je sais pas, tu vas vite ? C'est une toute petite chute par rapport à ce qu'on a pu voir en Islande. Mais on adore les chutes d'eau. Il y a un bouchon derrière. Bon, j'y connais rien en parcours de golf, mais celui-ci, dans un canyon avec un pont somptueux, des cascades, etc., à mon avis, il est pas si mal. Aventure en dessous. Un peu. Il y a plein d'activités à faire dans le coin, du rafting, du kayak, du base jump. Non, pas de base jump, trop dangereux, interdit. N'importe quoi, si le parachute il est bien mis, c'est bon. Trop dangereux, interdit. Alors je vais le faire, c'est sympa, une contradiction. Non, tu fais pas ça toi. Et ben comme quoi ça vaut le coup d'aller au Visitor Center et demander des renseignements directement. Aux Rangers qui sont en général très serviables, très aimables, très gentils, parce que je regarde en même temps là où je mets mes c'était pieds. C'était pas un Ranger, hein. Non, c'était pas un Ranger, c'était un employé du Visitor Center, un employé de la ville, hein, je pense, ouais. Qui est en plein développement, parce que bah, du coup, il nous donne des petits tips comme ça, qui sont pas forcément très touristiques en l'occurrence. Là, c'était pas ni indiqué sur les cartes de l'aire récréative, ni même indiqué sur la route quand on a bifurqué pour descendre le canyon. Elle n'était pas du tout indiquée, cette chute. En fait, elle n'est pas aménagée. Il n'y a pas de parking assez grand. Là, il y avait deux voitures avant nous. Et nous, on prend toute la place. Oui, voilà. Du coup, je pense que c'est une volonté pour l'instant, étant donné que c'est pas aménagé, de ne pas amener un trop grand nombre de touristes. Flot de circulation, oui, sur place. Eh bien, en tout cas, merci à ce gentil monsieur. Et maintenant, nous allons voir les chutes représentatives du secteur, les Shoshone Falls. Bon, et les trois grands gars ont décidé de passer par là pour redescendre. T'aimes pas ça, hein? Tout va bien! En toute sécurité, hein? Tout va bien! Mais comme vous êtes super bien, comme vous êtes super bien équipés, les crocs aux pieds, on est rassuré, quoi. On est bien. Sauf ça, Ona. Non, bon, c'est pas vraiment... Non, ça va, c'est pas très dangereux. Il n'y a pas un canyon en dessous non plus. Bon, mais nous, avec ce petit bébé qui dort, là, on va prendre le chemin piéton. Hein? On se rejoint en bas, les jeunes. On se rejoint en golf. Mais je crois que si je l'étais, j'aimerais bien ce parcours, là. Parce que le cadre est quand même sympa. Hein? Les grands esprits se rencontrent. On
montant, j'ai dit que j'y connaissais rien en terrain de golf, mais que je pensais que celui-là était sympa. Dans un canyon, des chutes d'eau, le pont, l'eau, enfin, voilà. Mais tu veux pas m'épouser? C'est déjà fait. Ah, on le refait. On retourne à Vegas. Non, bah oui, d'accord. Non, non, la dernière fois, j'ai mis 3 semaines à réussir à te faire décoller. Hey you, I know this is the right way. You move me in the right way, and I'll be running, running to you. Hey you, I think we're in the right place. Keep thinking of the things you said. Now my wishes turned out to be true. Oh. Bon, parking pour les camping-cars prévu, un petit peu plus loin que le parking voiture, mais vraiment pas très grave. A priori, c'est pas une longue marche pour aller voir ces belles chutes là que nous apercevons déjà. Bon, on s'est fait arnaquer, on n'est pas content. Hein. On a payé 5$ l'entrée dans ce parc pour pouvoir se garer au plus près des chutes. Mais en fait, il n'y a qu'une partie des chutes. Là. Elle, est où, pas... elle est où la jumelle? Parce que Twin Falls. Ah oui, les chutes jumelles. Et là, d'habitude, il y a de l'eau partout. Là. Sur toutes les cartes postales, ils mettent de l'eau partout. Arrête, c'est une blague. Hein. C'est une blague. On va demander quand même le remboursement de la moitié des 5$. Bah oui. Bah oui, vu qu'il y a la moitié des cascades, tu veux la moitié. Exactement. Eh ben non, parce que en fait, regarde, si on descend, la deuxième est quand même un peu alimentée. Petite, mais alimentée. Faut qu'on descende. Oui, bon, ils ont une excuse pour pas nous rembourser. Ouais, là, c'est tout des gâteaux. Arrêtez, ils vont vous croire. Effectivement, ça coule un petit peu là. Bon. Regardez, on a acheté notre magnette. Normalement, c'est comme ça. Et là, non. Comme ça. Les petites jambes, elles n'ont pas beaucoup d'équilibre par rapport à nous. Accroche à mes doigts. Tu t'exerces? Non, mais on se pose tranquille, on fait gambader Manao dans l'herbe, il adore ça. Bon, il adore ça. Quand il touche avec les mains, il fait une grimace un petit peu. C'est le rigolo. Le sable, c'est ok, les cailloux, les canyons, les machins, mais l'herbe. L'herbe, il y a une sensation bizarre. Il aime bien le sable, les cailloux, les canyons, mais. C'est rigolo. Il pose pas les mains. Tu fais coucou? Non, il pose pas les mains. Il est comme ça. Coucou. Il y en a un. Regarde, il se penche. Regarde rien. Ah, ah, si. Oh, il a touché. Tu touches l'herbe. Ouais. Vite, 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 rattrape-moi. Elle est juste familiarisée. Voilà. Il va aller vers la caméra. Tu veux venir me voir? Bon, et on réfléchissait au plan pour ce soir. Est-ce qu'on reprend la route? Est-ce qu'on se pose pas loin? Parce qu'on a une vidéo à monter, publiée. En fait, on a fait le choix d'aller au Walmart de la ville pour pouvoir profiter du Wi-Fi du Walmart qui est très rapide. Donc on va pouvoir monter et publier ça rapidement
Et après, on reprendra un peu la route pour aller à notre prochaine destination. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'on a quand même un peu de route là pour rejoindre Grande Teton Yellowstone. Oui, mais de toute façon, en plus là, c'est un Walmart où normalement, il n'est pas autorisé de se stationner. A priori, il y aurait des panneaux qui interdiraient ça. Donc, on peut rester juste la soirée et puis repartir et se poser sur la route. Parce voilà, qu'en comme fait, on a fait ces derniers soirs. C'est ça, mais en fait, certains nous diront peut-être, parfois, en demandant au manager, en fait, quand c'est interdit, on ne cherche pas, on n'y va pas. On n'a pas envie de se faire réveiller au milieu de la nuit comme ça arrive régulièrement quand c'est bien marqué que c'est interdit. Oui, et puis en fait, c'est marqué, donc à partir de là... On n'est pas du genre à enfreindre les règles. C'est idem, on a reçu deux commentaires pour nous dire que ça, la route au sud de Sequoia, des personnes l'avaient faite avec des véhicules de plus de 22 pieds et que ça passait sans problème. En fait, il n'y a pas de souci, on n'en doute pas que ça passe. Voilà, on n'a pas dit que c'était pas possible de la prendre. Et que c'était pas techniquement possible, c'est juste interdit. Et nous, si c'est interdit, on le fait pas. Comme on prend pas l'essence interdit, comme... Voilà. Bon, on respecte les règles, vous l'aurez compris, et vous le savez depuis le temps, vous nous connaissez. Bon, bah, les copains, on va se rentrer. Ça doit être peut-être dû à notre ancien métier. Ah ! Il y a peut-être une relation de cause à effet. Qui, pour le coup, je te rappelle que c'est toujours notre métier. C'est toujours notre métier. En fait... Moi, je vois les choses aussi différemment. Ici, pour moi, on reste des étrangers. Et en fait, il faut quand même savoir que le touriste français est quand même, dans le monde entier, hein, pas du tout juste ici, hein, on a quand même une mauvaise réputation. Une réputation de personnes qui ne respectent rien, qui bravent les interdits, qui de voyageurs très râleurs. Pas très aimables, ouais. Pas aimables et râleurs. Et qui jettent des déchets. Ouais. Non, je suis pas non, sûre pas que ça. Non, pas forcément ça. Aussi. Non, non, le français est plutôt propre, mais... Voilà, donc en fait, on essaye, nous, de notre côté, de rectifier un peu cette image. On sait que tout seul, ça n'a pas tout changé, mais en fait, on trouve aussi qu'on a, en tant que voyageur français à l'étranger, un petit peu cette responsabilité, en fait, de respecter les règles, de montrer aussi une bonne image. C'est pas qu'on veut se montrer autrement qu'on est, parce que nous, on est comme ça, et c'est ce qu'on inculque aussi à nos enfants, en fait. Le respect des règles, tout simplement. Tout simplement. Mais, ouais, cette image, elle nous colle quand même pas mal à la peau, et je peux pas forcément donner tort aux gens qui pensent ça de nous. Non, parce qu'on en est parce témoin nous-mêmes. On l'a nous-mêmes constaté, hein, en fait. Bref, on l'a constaté. Bon, bah, les copains, on vous dit à mardi pour la prochaine vidéo dans un nouveau lieu à découvrir aux États-Unis. À la prochaine. Bye bye. Bye bye. About to leave. Oh, pas mal, Mathis. Come with me. I'm not pretty. But we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it so loud. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Bah, il veut plus. Voilà, on filme, il veut plus. Il vient de faire ses tout premiers pas. Not looking back. Whoa. Eyes on the freeway. Bonnie and Clyde. Whoa. A classic cliché. We're on the road. Bravo, oui, on a peu de la raison. On a peu. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. Alors, on te dit bravo. Living life with the lights out. Oui, il va venir, oui. Bravo. Bravo.
Allez, on fait un petit rappel. Ok, bravo.